Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la page, comme vous connaissez. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, essayer de rediscuter par rapport à la thématique qui va être, ou bien les thématiques qui vont être abordées aujourd'hui par le professeur Maurice Kamto. Alors, bonsoir, Le bonsoir tout le monde. professeur, le son Bonsoir, est bon. bonsoir. J'ai le retour ici, le son est bon. C'était mon retour. Donc, comme pour dire à tout le monde déjà, bienvenue. Je vais donc ce soir avec toute une équipe. Vous connaissez l'équipe du BFA. Il y a la présidente Caroline Pégan. Il y a Général Micheline Miss, il y a toute une équipe qui est là derrière en studio qui attend seulement que le professeur Maurice Kamto fasse sa sortie ce soir parce qu'on a eu tellement de pronostics en coulisses. Il y en a qui disent que le professeur Maurice Kamto va taper des 4 points sur la table. Il y en a qui disent que non, ça va être un discours politique. Il y en a qui disent que ça va être. Voilà, donc tous ces mélanges de pronostics, de diagnostics politiques nous intéressent ce soir. Alors avant qu'il lance sa sortie de ce soir, on a décidé de se retrouver comme ça pour échanger avec vous, voir quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous pensez personnellement, dans quelle ligne le professeur Maurice Kamto va s'inscrire, est-ce qu'il va venir aujourd'hui confirmer ce que nous pensons depuis Paul Biya est mort, il y a un gouvernement de gré à gré qui est en train de se peaufiner à l'horizon, est-ce que le professeur Maurice Kamto va avoir un discours politiquement correct, est-ce qu'il va rester l'homme politique qu'il est resté jusqu'ici, est-ce qu'il va sortir de ses gonds? On ne sait pas, le mystère est total. L'ombre est vraiment partout sur tous les cieux. La question, je ne suis pas le seul à me la poser. Nous sommes nombreux aujourd'hui ce soir. C'est pour ça que je vais vous présenter directement tout ce que nous avons en coulisses. Il y a Micheline Mich depuis les États-Unis qui est là avec nous aujourd'hui pour essayer de répondre à cette question. D'autre part, nous avons Diane Raissa qui va essayer de répondre à la question avec nous. Nous avons Henri. Nous avons Nestor Nana que vous avez déjà vu dernièrement à la conférence de presse du BFR. On a John que vous ne connaissez, que vous connaissez d'ailleurs, bien qu'on ne présente plus. On a Blandine Noana, la femme qui gère les finances comme les gens gèrent parfois leurs chaussures. On a Kevinou, on a la présidente Caroline Pégan, vêtue de blanc comme pour certains les anges. On a Madame Kenan, on a la maman, je dois dire, la maman Kenan qui est notre maman ici, qui nous encourage vraiment bien. On a du côté d'Afrique et pas loin de. Il est entre Monaco et Washington, pour ne pas citer exactement de quelle contrée il est. C'est le colonel Courage, Eric, bien sûr. Il est une des recrues du BFA et on te souhaite bonsoir et vraiment merci d'être là. On a Nino qui est là. Donc voilà le panel actuellement. Bien sûr, beaucoup de personnes vont venir au fur et à mesure. Beaucoup de protagonistes vont intervenir au fur et à mesure. Je rappelle donc que cette rencontre ce soir va d'abord se tabler autour de la sortie du professeur Kamto. On va suivre ensemble sur cette page. D'abord, la sortie du professeur Maurice Kamto. Ensuite, il y aura un débriefing de toutes les personnes que vous voyez là. Ces gros cerveaux-là vont faire un débriefing et vous donner les lectures, les analyses qu'ils vont faire de la sortie du professeur Maurice Kamto. Donc, en attendant, je vous demande de prendre, if c'est nécessaire, il vous faut un paquet de pop-corn, une télécommande pour ne pas vous lever tout le temps, votre ordinateur, votre téléphone portable, de l'eau à boire et n'oubliez pas surtout de vous laver les mains parce qu'on est en confinement pour lancer ce direct. Donc, on fait un premier tour de table. Bonsoir à tout le monde. La parole est à qui veut la prendre. Ou bien on va suivre la montre. Hein. Micheline, bonsoir à toi. Bienvenue. Tout le monde te suit. On est déjà 345 abonnés. C'est vrai que c'est pas beaucoup de choses. Mais ils vont partager. Je sais qu'ils vont partager. Micheline, tu as la parole. On t'écoute. Allô, Micheline? Oui. Oui, nous sommes déjà 430 personnes connectées là et les cœurs tombent viennent de partout. Donc, on t'écoute. Dis un mot comme ça de bonsoir à tout le monde. Ce soir, on parle de la sortie probable du professeur Maurice Kamto aujourd'hui. I salute my people. I salute all Cameroonians when they follow me. I salute Kona. I know say today na the big day. Today na that day way we don't sleep, we dream, we wait, we pray. And for my own position, I know say that Papa na ma way into a peace. So I did just wait for his peaceful word where he go bring him for me, for give me the direction where we go take him. So I really salute all the revolutionary all around the world. Even if you be Ambazonia today, you be Southern Cameroonian, you be French Cameroonian. I know say all we are ready. So let's go. Greetings to all the panelists. Everybody wish you know for panel. God bless Cameroon. God bless your country. Alors, vous avez suivi que Dieu blesse tous les Camerounais. Ah,
Donc, Raissa, Diane Raissa, est-ce que, bon, vous savez, il faut un peu d'humour, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on soit constipé. On est déjà à 600 personnes. Continuez de partager parce qu'on va partager la bonne humeur ce soir. Alors, Diane Raissa, bonsoir à toi. Capitaine Raissa. Bonsoir, bonsoir Stevie. Bonsoir à toi. Il y a déjà environ 700 personnes qui te suivent là. Ils veulent savoir ce que tu penses de la sortie probable du professeur Maurice Kamto tout à l'heure. Oui, bonsoir à tout le collectif des révolutionnaires qui sont là ce soir. Bonsoir à tout le peuple camerounais. Bonsoir à toute l'équipe choc de par le monde. Ce que je vais dire à la population, c'est d'attendre avec nous ensemble la sortie du président élu. Est-ce que c'est ce qu'il dit qui donne au moins l'orientation dans le combat, parce que c'est la seule personne à l'heure actuelle qui nous donne au moins l'envie et le plaisir vraiment de faire le combat. On ne fait pas le combat pour lui, mais on fait le combat pour nous, comme il a si bien dit. Mais on suit au moins son exemple en passant pour au moins le punch moral. Super, super. Donc, ce que je dois dire, c'est que quoi? Le président élu a dit ceci, luttez pour vous-même, ne luttez pas pour moi. Ok. Je lutte pour moi, je ne lutte pas pour quelqu'un. Je lutte pour qu'il y ait un changement, parce que ce que je dis, ce que je réclame, c'est ce que j'ai de droit. Et je pense que cela doit être clair dans le cerveau de tous ces dirigeants africains qui pensent que peut-être un Africain ne doit pas ouvrir la bouche. On ne peut ne pas ouvrir la bouche parce que ce que nous vivons à l'Occident, moi je mange par exemple l'argent des Européens, pourtant je ne suis pas européenne, moi je suis africaine. Mais depuis que j'ai grandi, chez moi, je n'ai jamais eu de parasitamol venant du gouvernement de mon pays. Et là, je dis non, ça va s'arrêter. Il faut que la jeune génération essaye de jouer Ok, Raïssa, est-ce que des biens de leur pays. on va revenir, à Capitaine Raïssa tout à l'heure, le temps qu'on fasse un tour de table, que tout le monde se présente. Alors, on a quand même des personnes, des personnalités, vu compte tenu de l'âge, parce qu'en Afrique, on dit que c'est pas la longueur d'un arbre qui détermine le respect qu'on lui doit, mais c'est l'âge de l'arbre qui détermine le respect. Alors, à tout grand frère, tout papa, tout honneur, je commence avec le monsieur, monsieur Henri. Bienvenue une fois de plus dans ce direct. Un monsieur concis et précis. Donc, rebonsoir, bienvenue dans cet entretien avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple camerounais qui vous suit aujourd'hui? Bonsoir, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce jour vraiment d'une ville exceptionnelle. Bon, je sais qu'on aura le temps pour épiloguer sur ce que le président va nous dire tout à l'heure. Mais moi, personnellement, je m'attends à deux choses. Je m'attends à deux choses. Aujourd'hui, je pense que tous les Camerounais sont conscients que c'est lui notre leader. Donc, je m'attends à ce qu'il soit concis, qu'il soit précis par rapport au Covid-19. Ça, pour moi, là. Qu'il dise aujourd'hui aux Camerounais, en fait, qu'il donne des directives précises et qu'il demande aux Camerounais d'appliquer ces mesures. Pour moi, je m'attends vraiment à ça, là. Qu'il soit vraiment précis, là. Et qu'il insiste vraiment, je m'attends vraiment à ça, qu'il insiste que celui qui dit qu'il est président, en fait président de fait, qu'il sorte. Les Camerounais ont besoin de le voir. Il faut vraiment qu'il insiste. C'est vrai qu'on a le Covid, mais le Cameroun passe un moment, une période de transition qui va être très délicate, là. Donc qu'il sorte, qu'il insiste, qu'il dise aux Camerounais que le Covid-19, c'est très important. Si on ne fait pas attention, beaucoup, beaucoup de nos frères et de nos soeurs vont passer. Donc, bien sûr, on ne va pas oublier le moment important, donc, du fait que d'ici quelques temps, il y aura vacances de pouvoir. Il faudra aussi qu'il insiste là-dessus. Donc, je m'attends à ce qu'il parle du Covid en profondeur et qu'il donne vraiment des consignes très précises. Parce qu'aujourd'hui, là, quand il a annoncé qu'il fera une sortie, il a mis la barre très haut là. Donc il faut vraiment, je m'attends à ce qu'il livre la marchandise, sincèrement. Donc, et aussi qu'il parle de la vacance de pouvoir et qu'il donne un ultimatum. À compter de tel moment, nous avons constaté qu'il n'est pas là et
D'ici, comme le prévoit la Constitution, n'oublions pas, c'est un juriste, hein? D'ici quelque temps, comme le prévoit la Constitution, s'il ne fait pas de sortie, nous constaterons qu'il y a vacance de pouvoir. Et alors, la Constitution devrait rentrer, on devrait tenir compte de la Constitution. Donc, on reviendra à la. Super, super encore, et merci encore pour ce mot. Donc, vous avez retenu, le professeur Maurice Kamto doit livrer la marchandise, c'est ce qui vient d'être dit. Et je ne peux donc m'empêcher de passer la parole directement, sans transition aucune, vers Monsieur Nestor Nana. Monsieur Nestor Nana, bonsoir. On a un souci de son chez Monsieur Nana. Vérifiez que votre microphone est ouvert. On Oh, a. yeah, Ok, open up. you are welcome. You Open. have about 700 people online now, so you have the word to explain really what you are feeling now. Thank you very much. Hello, everyone. It's my pleasure to be talking to you from Greenwich, Connecticut, in the United States of America. Today, the president-elect of the Republic of Cameroon will be speaking to all Cameroonians in Cameroon and Cameroon around the world. He is going to. My hope is to see the president-elect articulate at least 3 points. The first point is the lack of leadership. Since the beginning of the COVID-19, the coronavirus, we didn't witness any presidential leadership. The president is absent. I expect the president-elect to articulate on that. The second thing I expect from the president-elect is to talk about government accountability. There is a lack of government accountability. The government is not reporting honestly on the data regarding the coronavirus. There are people dying all over the country, and these people are not being reported. We don't know what is the process. What is the testing process? Why is it that people are dying? Because there is a lack of ventilators. I was told this morning that a medical doctor, the first medical doctor, lost his life in Cameroon because of lack of government accountability. I also expect the president-elect to do what he also likes to do. He's very good at motivating and inspiring Cameroonians so that they can take the ownership of their country, so they can be proud to be Cameroonian. What as he's doing that, as he's trying to call on the lack of presidential leadership, as he's trying to identify lack of government accountability, why inspiring Cameroonian, why motivating Cameroonian is transforming the conflictual temperature, the conflictual situation that we are experiencing now into a collaborative one. So from there, I want to use this particular minute to call on my countrymen and women to collaborate, to help each other, because we need each other in life. We want to make sure that we maintain our own lives and make sure that our neighbor is in good health, so that we can argue, we can do politics, we can do education. So I expect the president to hammer on those 3 points: lack of presidential leadership, lack of government accountability, and make sure he inspires, as always, his countrymen and women. Thank you for now. You are welcome, man. You are welcome. Thank you, really. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, pour tous ceux qui n'ont pas bien suivi, dont le titre est assez clair aujourd'hui, on attend la sortie probable du professeur Maurice Kamto qui a été prévu à 20h du Cameroun, c'est-à-dire 21h d'ici, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? C'est-à-dire 21h d'ici, on me dit au niveau de la régie que c'est exactement ce qui se passe. Donc, du côté du studio, on a toute une équipe qui est arrivée, qui est sur place. Et on va essayer donc de voir déjà dans un premier temps la sortie du professeur Maurice Kamto. Et plus tard, on va faire une analyse de ce qui a été dit en temps réel de ce qui s'est dit du professeur Maurice Kamto. Alors, je m'en vais dans le studio pour continuer les présentations. On a des personnes qui viennent d'arriver. On a le général Echenu qui est arrivé. On a Kamal Apanté qui vient d'arriver. Je donne donc d'ici, avant de faire la transition vers le général Echenu, je donne la parole à John Mukam du côté de l'Allemagne. Alors, bonsoir à toi, John Mukam. Bonsoir, bonsoir aux panélistes qui sont là, bonsoir au peuple camerounais, bonsoir à tous ceux qui nous suivent directement sur la page. Et nous épiluguons donc je ne serai pas très long. Je vais passer la parole aux autres. Bonne soirée et
Continuons dans ce débat. Merci. Bonne soirée à toi. Merci encore. Je rappelle pour ceux qui veulent appeler, on va vous donner exactement quel sera le timing. Alors, on prend un numéro de téléphone, on prend un appel vite fait pour voir. Allô, bonsoir. Comment? Oui, c'est pour intervenir en direct dans Non, l'émission. non, non, je tape par rapport au son. Le son, apparemment, ce n'est pas bien. Ça, c'est Ah, vous n'avez pas un bon clair. retour. Ah, merci encore pour la Je vais notification. sortir de mes crises. C'est pourquoi je vous ai appelé. Ah, merci bien pour la consigne. Comme ça, on va dire à notre équipe technique de gérer ça vite Oui, fait. apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent pour moi. Ah, merci, parce que dans les commentaires, je n'ai pas lu ça. Ok, merci. Donc, du Non, côté de la je ne sais régie. pas. J'essaie de vous écrire dans les commentaires. Bon, c'est pourquoi Ok. j'ai appelé. J'ai appelé depuis la solitude. Ah oui, j'ai vu l'appel. Donc, merci encore. Du côté de la régie, on va essayer de gérer ça. On va essayer de gérer ça du côté de la régie. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est toute une équipe qui est là. Tout le monde veut que le Cameroun change. Donc, donnez-nous une minute, le temps que la régie s'occupe du son. Donc, merci encore. Super, super. OK. Alors, on aurait, comme qui dit, un petit souci de son. Donc, on va essayer vite fait de gérer avec la technique le problème de son. Donc, merci encore déjà pour ce frère-là qui a pris la peine d'appeler de l'Afrique du Sud. Vous voyez qu'on est suivi de loin et on va donc prendre la peine qu'il faut pour arranger vite ce problème de son-là. C'est toujours important hein, parce que il vaut mieux être mieux suivi que mal suivi. Il vaut être ne pas du tout être suivi que être mal suivi, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Je crois qu'à ce niveau, tout va revenir dans l'ordre. Alors, confirmez-nous, est-ce que le son maintenant est meilleur? Il y a John Mokam qui avait la parole là. Il y a John Mokam qui a la parole. Il a pris le temps de saluer tout le monde. Après John Mokam, c'est bien entendu, c'est Blandine qui avec qui doit avoir la parole. L'ordre a dû m'échapper là pendant un moment. Donc, Blandine, bonsoir à toi. Est-ce que tu es disponible et disposé? Oui, bonsoir, bonsoir à tous mes camarades combattants, bonsoir à tous nos auditeurs. Donc, effectivement, on attend avec impatience que se N'hésitez termine pas de le couper vos conflit au Mali. microphones. Pour ceux qui n'ont pas la parole, coupez vos microphones, s'il vous plaît. Donc, Oui, donc, Blandine, on t'écoute. Désolé pour le désagrément. il n'y a pas de souci. Donc, je disais qu'on attend avec impatience la parole du président élu, le discours du président élu. Je ne vais pas être longue, je ne vais pas être longue parce Oui, que c'est bon. les précédents panélistes ont évidemment déjà envisagé tout ce qu'on aimerait, ce dont on aimerait que le professeur, le président élu parle. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce que je demande à nos compatriotes, à tous les compatriotes qui vont entendre, qui vont écouter, c'est de ne pas seulement écouter, mais d'entendre ce qu'il va dire, d'être attentif à tout ce que dira le président élu, parce que je pense qu'il va donner, il va sérieusement donner un ton, un autre ton, une autre dimension à notre révolution. Nous nous battons depuis pour que les choses changent au Cameroun. Et aujourd'hui, il va marquer, ce sera un temps, un point important de ce combat. Je pense qu'il va véritablement remettre, comme on dit là-bas, le centre. Il va pointer, il va tirer un penalty qui sera du jamais vu. Donc, je pense que je demande à tous les compatriotes d'être attentifs, d'écouter et d'entendre ce que va dire le président élu. C'est tout ce que je veux dire. Je ne vais pas m'éterniser. Et je voudrais revenir aussi à ce qu'a dit mon ami Nestor tout à l'heure. Effectivement, le Covid-19 sévit au Cameroun. Nous sommes à 3 médecins déjà qui ont perdu la vie à cause de cette maladie au Cameroun. Nous avons enterré le 3e médecin au Cameroun aujourd'hui et c'est grave. Donc, je suppose qu'il va certainement intervenir là-dessus et effectivement aussi sur la vacance du pouvoir. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Je laisse la parole aux auditeurs suivants, enfin, aux Au combattants prochain suivants. conférencier. Ok. Merci encore, Blandine. Merci. C'est un privilège d'avoir des interventions aussi propres, aussi claires et limpides que celles que tu viens de donner. Après, toi, directement sur la ligne, c'est le général est chez nous. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est bon? On
Maintenant, d'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Je salue comme ça tous les panélistes, tous ceux qui sont sur le studio. Je salue le peuple de la Révolution, je salue le peuple camerounais et je salue soit l'endroit géographique, le point géographique où il se situe. Vous savez, aujourd'hui, parce que je fais quelque chose de mal, la lecture que je fais et l'intervention que je fais ce soir est l'équipe. Premièrement, je vous dis une chose, c'est que même s'ils sont, on dit, c'est bon. Mais on a un problème de son là. Un problème de son là, et je ne sais pas exactement le son que ça vient. Donc, donnez-nous quelques secondes. C'est comment? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. On a un petit souci technique là. Et ça nous fait perdre vraiment du monde là. Je sais pas ce qui se passe. Quand ça arrive chez le autre, ça arrive. Oui, attends un peu, attends un peu. On parle à la vidéo. Tu viens de on entend, on l'entend. Il y a un petit problème là chez moi. Je crois qu'on est en attaque. Il y a un son bizarre, un son nuisible qui apparaît là chez moi. Et je ne sais pas exactement d'où ce son sort. Donc, le temps que nous arrangeons ça, on va vous demander peut-être une petite minute, hein, le temps d'arranger ce problème là. Voilà. Allô? Voilà, maintenant je crois que le problème technique a été arrangé. Merci encore à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. On a eu un petit souci technique là qu'on a arrangé. Et voilà. Donc on a arrangé le problème technique. Maintenant pour tous ceux qui sont connectés, que je me concentre sur la question. Donc merci encore. Merci à tout le monde qui était resté concentré. C'est un problème technique qui a eu. Voilà. C'est un problème technique qu'il fallait gérer. On a pu le gérer. Donc, désolé déjà pour le désagrément. Je prie donc tous ceux qui sont du côté de notre couloir, du côté du box, de veiller couper le son derrière eux, s'il vous plaît. Coupez le son derrière vous. C'est pas agréable. C'est pas agréable d'écouter le son derrière vous. Donc, coupez vos sons, coupez vos microphones. On était en train de parler avec Caroline, avec Blandine, qui a exprimé ce qu'elle avait dit. Maintenant, je crois la parole au général Elchenou, qui va donc s'exprimer par rapport à l'attente que nous avons engagé depuis pratiquement 30 minutes. Général Echenou, bonsoir, bienvenue dans notre discussion.
Bonsoir Stevie, merci encore pour la correction, merci pour le rectificatif. Je salue tous les panélistes, je salue tous les leaders comme ça qui sont sur le plateau. Je salue tous ceux qui se battent, qui se donnent corps et âme pour que émerge un Cameroun nouveau. Je salue le peuple de la Révolution, je salue tous les Camerounais. Et indépendamment du point géographique où il se situe. Aujourd'hui, je vais, merci de me donner l'opportunité d'intervenir. Très rapidement, je vais pouvoir dire aujourd'hui, ce soir, comme disait une combattante tout à l'heure avant moi, celle qui m'a précédé, un pénalty va être tiré et assurément il va être marqué. Nous avons l'occasion d'assister à une finale. C'est l'épisode de ce soir est digne d'un pénalty dans une finale de Champions League où on a affaire là à la dernière minute de jeu. Et un joueur comme Cristiano Ronaldo prend sur lui, sur ses lourdes épaules, la responsabilité de tirer. C'est 0-0 jusqu'à présent. Et il faut tirer juste un pénalty et marquer. C'est pour ça que je vais dire une seule chose. Quel que soit ce que le président élu va dire ce soir, il nous revient à nous. À nous. Nous qui sommes ici en diaspora, plus particulièrement. Nous, le peuple camerounais, plus globalement, d'interpréter et de comprendre ce qu'il va nous dire. Si le président élu sort ce soir et dit « c'est bon, on y va », ça veut dire « tout est dit ». Je crois qu'après son discours ce soir, c'est nous qui allons donner un sens à ce discours. Il nous reviendra de donner une trajectoire à ce discours, de dire exactement ce qu'il faille faire ou ne pas faire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Le président élu, certainement et à coup sûr, ne va pas dire aux gens de descendre dans la rue parce que déjà sur le plan éthique et sanitaire, il est impossible d'amener les gens dans la rue. Mais il existe des conditions pires et plus tragiques que le sanitaire, que ce que nous vivons jusqu'à présent. Donc on ne pourrait pas laisser une telle situation passer. On peut passer outre les mesures sanitaires lorsqu'on est face à notre suivi. Et ce soir, nous jouons le va-tout, nous jouons la suivi, nous jouons le salut, la résurrection, le salut de notre nation, de notre pays. Donc ce soir, c'est un soir décisif. Ce soir, c'est le soir de tous les dangers. Ce soir, c'est le soir où quelque chose va être fait et quelque chose va être compris dans la révolution. Notre combat, mené et enclenché depuis octobre 2018, prend une trajectoire, une courbe haute ce soir. Et nous osons croire que ce sera la bonne courbe, que c'est la courbe de la bonté et que c'est la courbe qui nous conduit vers les vestiaires, là où on va soulever tranquillement le trophée. Que ce soit coronavirus, que ce soit la vacance de pouvoir, tout ce que cela peut compter. Mais la pied d'achoppement de tout, c'est que le régime dictatorial de Yaoundé tombe ce soir. Merci. Merci à toi, Général Echenou. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous avons perdu pratiquement en quelques secondes près de 200 personnes. Et la magie de la communication veut qu'en quelques secondes aussi, nous avons gagné près de 300 personnes. Donc, on est remonté. On est pratiquement à 1000 personnes connectées là maintenant. Merci encore de nous faire confiance. Ce qui s'est passé techniquement s'appelle un son parasite. Donc, on a eu un son parasite. Et ça arrive parfois quand des individus malveillants nous envoient des liens comme des commentaires, et quand on les ouvre directement, ça crée des musiques qui tournent en boucle et qui nous dérangent. Donc, ça a été arrangé. Merci encore pour votre confiance. Merci pour la confiance de ceux qui sont en coulisses, qui sont avec nous. C'est toujours un plaisir d'avoir des illustres personnes comme vous qui donnent et qui se dévouent à la cause camerounaise, à la cause commune. Donc, merci encore de cette confiance renouvelée là. Alors, on avait tout à l'heure le général Echenou qui parlait. Il a fait une comparaison vraiment importante entre l'action actuelle et l'action d'une fin de match quand on connaît l'effervescence que cela entraîne chez les Camerounais. Je me rappelle encore lors de la Coupe d'Afrique quand on arrivait parfois à des séances de pénalty où il y avait le dernier pénalty, le cinquième pénalty dans chaque équipe. On savait que c'était le qui tout double. Celui qui perd a tout perdu. Et on a eu des joueurs au Cameroun. Vous savez, vous connaissez l'histoire des maisons brûlées à cause des pénaltys manqués. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Merci encore pour cette analogie-là, pour cette comparaison qui explique ô combien la situation actuelle est importante. Alors, on a eu l'intervention du général Echenou. Je vais aller de l'autre côté pour voir un autre général, pourquoi même un maréchal. Nino, bonsoir à toi. Bienvenue dans cet entretien aujourd'hui qui va essayer de faire un peu une lecture autour de la question de la sortie du procès Moïse Kamto. Bonsoir à toi, Nino. Bonsoir, cher camarade Stevie Sam. Bonsoir à tous les panélistes.
Bonsoir au peuple camerounais. Moi, contrairement aux gens, je n'attends pas grand-chose du général, du président élu Maurice Kamto. La seule chose qu'il devrait faire, ce président élu Maurice Kamto, il l'a déjà fait. Il l'a déjà, à travers son discours, la dernière fois, en donnant 7 jours à la présidence Bédoudi, de se montrer et de prendre ses responsabilités en tant que chef. Il l'a fait. Il voulait par là établir la vacance d'un pouvoir, c'est-à-dire confirmer ce que Sa Majesté Kamwa la Panthère a si bien dit l'autre jour, c'est-à-dire la mort du tyran. Donc, pratiquement, le président élu avait déjà fait tout le boulot. Le reste, maintenant, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a fait depuis l'annonce de 7 jours du président élu, c'était à nous, c'est à nous que revient maintenant. Il a constaté, il a fait preuve, il a montré, démontré aux gens que voilà, en 7 jours, je vais démontrer au monde qu'il y a vacance du pouvoir. Maintenant, à ce monde, maintenant, de prendre ses responsabilités. Et comment, moi, j'ai proposé à cette population camerounaise de prendre ses responsabilités? Rentrer dans les droits de l'homme, dans les statuts des droits de l'homme, qui démontrent que vous avez le droit à la grève, le droit à la manifestation, le droit au soulèvement, reprendre ce qui revient de droit au peuple. C'est ça que les Français, qui nous disent que leur loi aujourd'hui, ont fait avec la Révolution française. Ce n'était pas un chef d'opposition ou un parti politique qui avait donné l'ordre. Le président a su subtilement démontrer la vacance. Alors la vacance est là, chers frères et sœurs, tirons ensemble les bonnes conclusions. N'attendons pas grand-chose du président élu ce soir. Il a fait le boulot qu'il devrait faire. Merci. Merci à toi pour cette lecture. Donc, Nino qui dit que voilà, il n'attend pas grand-chose parce que le professeur Maurice Kamto a déjà démontré à suffisance en réalité ce que le Camerounais devait savoir. Alors, pour ce soir, permettez-moi déjà de partir dans les coulisses d'une autre base de données. Comme ça, chercher une image peut-être qui satisferait déjà la curiosité de certaines personnes qui ne savent pas encore si réellement le professeur Maurice Kamto va s'exprimer. Et je rappelle que si le professeur Maurice Kamto s'exprime, d'après les dernières informations, les informations les plus actuelles que nous avons à notre disposition, ce sera sur cette page, la page Maurice Kamto officielle, la page que normalement le parti MSC utilise parfois pour faire les communiqués. Alors là, la dernière information que nous avons, le dernier communiqué, dit clairement que le peuple n'a jamais tourné le dos au professeur Maurice Kamto, au président élu, et qu'il va s'adresser au peuple dans quelques instants. Donc, en espérant que cela est clair et que cela est vrai, on va continuer de faire des pronostics de ce qu'il va nous dire ce soir. Nous continuons les présentations. Tout à l'heure, nous avions Nino qui a donné son point de vue. Blandine a donné son point de vue. Kevinou, bonsoir à toi. Voilà, tu as la parole, on t'écoute. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette sortie? Ok, bonsoir à tous, bonsoir mes compatriotes camerounais, bonsoir au peuple de la Renaissance. Donc voilà, moi, écoutez, président Maurice Kamto, c'est le guide de cette révolution, c'est la figure de cette révolution, qu'on le veuille ou pas. Donc, je pense que dès le départ, je rejoins ce que dit le maréchal Nino. Il a fait ce qu'il a joué jusqu'au bout. Il vous a montré à quel point, justement, que vous ouvrez les yeux, que vous constatez, vous, qu'il y a une vacation de pouvoir en ce moment. Parce que, en ce moment, nous savons que le Cameroun se retrouve dans l'impasse avec cette pandémie qui tue, qui fait beaucoup de ravages au Cameroun. Donc, pour l'instant, maintenant, comme je disais tantôt, c'est lui qui donne le temps, c'est notre guide. Donc, on ne peut que rester soudé, rester debout, rester vigilant et aller par contre. Donc, franchement, le président Maurice Kamto, c'est la délivrance, c'est la lumière du Cameroun, c'est l'éveil des consciences des Camerounais. Donc, je pense que les Camerounais attendent de tout cœur. Bon. Donc, on ne peut que rester attentif et aller de l'avant. Voilà, tout ce que je peux dire. Merci à toi. Merci encore pour l'intervention assez claire. On va directement, comme ça, sans transition aucune, passer directement vers la présidente du BFR. Hein. Madame Caroline Pégan, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes connectée actuellement ou bien si vous êtes toujours à la recherche de l'information. Je sais que vous êtes très occupée en ces temps. Forcément, vous êtes à la recherche de l'actualité. Donc, bonsoir encore au président. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir aux combattants, toujours au front, toujours présents et toujours en forme. Bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent et bonsoir aux amis du Cameroun qui nous écoutent.
Vraiment, cette soirée est exceptionnelle pour nous tous. Nous devons le marquer en vert quelque part dans notre conscience le 3 avril 2020. Quelle que soit l'issue de ce qui va se passer après, nous savons que cette date est soit le départ, soit la fin de quelque chose. Donc, c'est une date importante. Ce que j'attends du discours du président élu Maurice Kamto, et ce n'est même pas une attente, c'est un constat. Monsieur Maurice Kamto, le professeur, est le professeur, est à la croisée des chemins du destin du Cameroun. Il a trois chemins à suivre simultanément. La gestion du COVID-19, la vacance du pouvoir et surtout, le dire clairement, même pas, non au gré à gré. Il faut savoir que l'engouement qui porte Maurice Kamto est justement lié au fait qu'il est la seule personnalité publique aujourd'hui au Cameroun, dans le monde, crédible, qui peut faire des propositions objectives, efficaces, pour permettre au Cameroun de vraiment entrer de plein pied dans le 21e siècle. Donc aujourd'hui, j'attends trois réponses, trois positionnements. Un, ce qu'on doit faire sur le COVID-19. Deux, sa position. Nous dire, cette carence du pouvoir, comment va-t-il le gérer? Et enfin, le destin du Cameroun, en le martelant clairement, le non au gré à gré. Voilà ce que j'attends du président élu, M. Maurice Kamto. Merci, merci Poésie, merci encore pour ces paroles. Ces paroles très, très, très averties. Donc, vous avez compris, la question du coronavirus reste encore une question centrale. On va toujours repartir du côté du studio parce que une femme en appelle une autre, hein. Une sage femme en appelle une autre. Donc, Maman Josette Kenan, bonsoir encore à toi. J'espère que tu es bien confinée et que, voilà, que tu es en santé déjà parce que c'est la santé qui est déjà le moteur pour lequel nous sommes là. Bonsoir Maman Josette, comment se passe ton confinement? Bonsoir mon bébé, merci beaucoup. J'ai longtemps observé ce combat il y a une année. J'ai été fan de Kamwa la Panthère, de Elle chez nous et de Micheline Wang, que j'ai eu l'occasion de rencontrer chacun d'eux. Aujourd'hui, je suis fière de moi, de mon choix. Et je suis derrière eux à jamais. Je suis une personne qui ne parle pas, qui ne sait pas faire des lives, mais j'ai un don que Dieu m'a donné, c'est dans les prières et dans les jeûnes. Pour Elle chez nous, pour Kamwa la Panthère, pour Micheline. Et à travers ces stars, j'ai découvert beaucoup d'autres. Stevie, toi-même, ma petite Raissa, mon petit Kevino, que je suis tellement fière et je continue à découvrir certains gens. Monsieur Nestor, Nino, tout ça, bien que vous pensez que je suis Maman Josette, je suis du passé, mais je vous suis attentivement. Quelle que soit l'issue de ce soir, j'ai confiance et mon Dieu, que chacun le veuille ou pas, je me fie à Dieu. Je sais que Maurice Kamto est l'élu de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir, d'ici 2 semaines, il y aura un changement au Cameroun. Et tous les pays d'Afrique, tout autour de nous, le Tchad, le Gabon, dès qu'on va traverser le désert, ils vont nous suivre pour délivrer l'Afrique. Et tout ça passera par le Cameroun. Dieu est suprême, Dieu est fort. Je crois en lui. Je ne cherche pas à savoir si quelqu'un me suit ou pas. J'ai fait une semaine de jeûne la semaine passée pour prier. Maître Micheline Wang, Maître Elle chez nous, Maître Kamwa la Panthère, Maître Stevie qui organise tous ces directs dans les jeûnes. Je les ai remis au Seigneur, au Suprême, qu'il veille sur vous. Je m'en fous si quelqu'un croit en moi ou pas. Je ne suis rien. Je suis sûr que Maman Josette. Et je sais, je suis sûr, parce que Dieu dit dans sa parole que ce que vous demanderez, vous l'aviez déjà reçu. Je sais que d'ici 2 semaines, il y aura les reçus au Cameroun. Que Kamto apparaisse ce soir ou pas, c'est prévu. Le négatif comme le positif. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais parfois, nous les humains, on ne voit pas la même chose. Demandez à Dieu de vous donner les oreilles et les yeux spirituels pour comprendre ce qui se joue. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains.
parce qu'à travers le Cameroun, le Tchad va se libérer, tous les pays tout autour de nous. Nous vaincrons, mes enfants. Je suis sûr, si vous pouviez vous rappeler de mes paroles, je vous avais dit, quand je suis arrivé à Namur, je vous ai posé la question que vous aviez négligée. J'ai dit, et si on perdait le combat, quelle serait l'alternative? Personne ne m'a répondu. On a zappé ça. Parce que maman Josette est maman Josette, elle est du passé. Mais je me fie à mon Seigneur. Et tout ce que j'ai prié, j'ai eu. Que Dieu mette une femme en tête de ce combat qui va nous prendre comme ses enfants, qui va nous allaiter. Et Dieu m'a donné Caroline. J'en suis fière. Je l'honore. J'ai remis tout le monde entre les mains du Seigneur. Parce que dans ce combat, chacun doit utiliser son don. Moi, je n'attends rien. Vous pouvez ne pas avoir Kamto ce soir. Mais je sais que Dieu le guide. Oliwata, ça veut dire qu'il est béni, ce monsieur. C'est au-dessus de ses forces. Ne dites plus jamais qu'il est tellement intelligent. C'est la main de Dieu pour libérer l'Afrique à travers le Cameroun. Vous deviez tous dire Amen. Amen. J'ai gêné pendant une semaine et Dieu m'a montré. Aux hommes de ce monde, si je vous révèle ce que Dieu m'a montré, vous allez en rire. Mais j'ai les oreilles ainsi que les yeux spirituels pour comprendre. Je vous aime, je vous aime. Mon petit Kevino, regardez son âge. Regardez ma fille Raissa, la rage qu'elle a. Seigneur, je les remets entre tes mains. Je remets notre présidente entre tes mains, Caroline, que j'ai vue dans mon jeûne. Dieu m'a montré que c'est une femme qui vous guidera. Quand moi, la panthère peut avoir une voix forte, elle chez nous peut avoir les muscles, mais c'est une femme qui sera au-dessus d'eux. Pour la première fois, j'ose hausser ma voix devant vous et je m'en excuse. Je sais que ça sera compliqué pour vous de comprendre. J'ai été fan. J'ai observé pendant 3 ans. J'ai commencé d'abord, Dieu m'a touché pour aller voir Micheline Wang. À travers Micheline Wang, j'ai découvert de merveilleuses personnes. Pour ce soir, pour couper court, on en parlera de ce que j'ai vu plus tard. Parce qu'on a un long chemin ensemble. Le moment, soyez sûrs, ne paniquez pas. Je parle spécialement à Nino, qui a la rage de vaincre. Sois calme, mon fils. On va vers la victoire. D'ici 2 semaines, le Cameroun sera transformé. Je vous le jure, Dieu m'a montré. Je ne me vante pas, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous le dis. Merci beaucoup, Maman Merci Josette, encore. Pour ces superbes mots, pour ces moments d'encouragement. Vraiment, je pense que nous sommes tous émus, tous touchés là, de mettre que beaucoup de Camerounais, la prière est importante, Dieu est important. Et c'est bien on voudrait que Dieu mette encore plus sa main sur le Cameroun. Merci beaucoup, Maman Josette. Merci, mon bébé. Merci. Merci encore. Alors, on a fait le premier tour. Hein. Je crois qu'on a fait le premier tour. À moins que, comme ça, malencontreusement, j'ai oublié quelqu'un. Hein. Vous n'hésitez pas de me le dire parce que je crois que j'ai fait le tour. Parce que Eric. Je n'ai pas entendu M. Tamouin. Je n'ai pas entendu. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. À moins que je. Il est là. À moins que mes yeux me jouent un tour. Et Colonel Courage. Non, lui n'est pas disponible. J'ai essayé de checker son profil. Là, d'accord. Il n'est pas disponible. Très bien. On peut continuer. Oui, la dernière personne qui vient d'entrer, c'est Pidjal. Pidjal, bonsoir à toi. Non, il est occupé aussi. Ah, Pidjal aussi, il a juste le droit de regard. Oui. Pidjal, on dit parfois, l'œil qui a vu doit être rincé. Tu vas rincer nos yeux certainement plus tard. Alors, vous avez suivi la raison pour laquelle nous sommes sortis ce soir. C'est parce que le professeur Maurice Kamto va faire une sortie. Et maintenant, comme les gens qui sont dans les coulisses ont fait leur premier pas, ils ont exprimé ce qu'ils...
puisque les gens qui sont en ligne ont exprimé déjà leur sortie, ils ont exprimé leur point de vue par rapport à la sortie du professeur Moïse Kamto, la probable sortie du professeur Moïse Kamto. Nous allons donc commencer à ouvrir le micro, l'antenne, pour que ceux-là qui veulent appeler puissent appeler. On a un appel entrant, vous allez écouter, il vient des États-Unis. Allô, bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Oui, c'est pour intervenir à l'émission, j'espère. Oui, oui. Ok, on vous écoute 5 sur 5. Je voudrais d'abord te dire bonsoir, bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous les frères et sœurs qui se battent nuit et jour pour que nous arrivions à ce changement tant souhaité. Mm-hmm. Donc je voudrais tout d'abord, j'appelle plus pour donner mes encouragements à l'endroit de tous les combattants, ceux qui sont sur le plateau actuellement, oui, et ceux qui ne sont pas là. Oui. Est-ce que tu peux m'accorder une seconde, mon frère? Est-ce que tu peux m'accorder une seconde, pardon? Tu peux m'accorder juste une seconde? Ce soir, par mesure exceptionnelle, pour des raisons de temps, parce qu'on ne sait pas à quel moment le direct va commencer, on va accorder 2 minutes maximum à tous les intervenants en ligne, parce que beaucoup de personnes vont appeler. Donc, tu as 2 minutes pour t'exprimer. Tu peux regarder ton écran, tu vas voir le chrono qui est lancé. Donc, tu as ton temps là, celui ton témoin, celui ton arbitre. C'est bon, on est d'accord? Ok, merci, super. Oui, oui, on est d'accord, oui. Tu as la parole, donc, on t'écoute. Donc, oui, bonsoir à tous les combattants, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Je sais que tout le monde suit le direct depuis leur résidence et depuis là où chacun mène son combat. Donc, je voudrais encourager tout ce que vous faites et dire que on n'est pas loin de la victoire. Et cette victoire, on l'a déjà obtenue. Il faut juste savoir comment se comporter cette fois-ci pour l'avoir finalement entre nos mains. Donc, courage à vous et sachez que vous n'êtes pas les seuls qui êtes devant la scène. Il y a beaucoup de gens derrière qui vous soutiennent. Il y a beaucoup de gens derrière qui prient pour vous. Il y a beaucoup de gens derrière qui se battent aussi chaque jour pour que vous menez à bien cette activité et qu'on arrive à la victoire finale. Voilà tout ce que je voulais dire. Ok, merci. Alors, encore, merci encore pour ton intervention. Hein. C'est vrai que tu es dans les temps, tu es vraiment, tu es un Américain, non? Je crois que tu es aux États-Unis parce que si c'est un Français qui avait de la parole là maintenant, je crois que nos amis camerounais de la France là, c'est qu'il est en train de développer une théorie de Molière là maintenant. Ça, c'est toujours agréable. Merci encore à toi. Merci à toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du côté du panel qui veut dire quelque chose là-dessus. The mic is open. Donc, Général Micheline Mich, Monsieur Henri, Nestor Nana, tous ceux qui veulent prendre la parole pour dire un mot à l'internaute, il n'y a pas de problème. Vous êtes ouvert. Je ne crois pas que Mich soit dans le même état que moi. Parce que moi, je suis au Texas. Je ne crois pas qu'elle soit dans le même état que moi. Ok, je vois. Ok, je comprends bien. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut quand même dire à cet internaute, merci beaucoup pour le soutien parce qu'on en a besoin. Même si nous sommes très, très motivés, complètement focus sur ce qui se passe au Cameroun, sur le non au gré à gré, sur le discours que va prononcer tout à l'heure ou pas. Mais en tout cas, cette journée du 3 avril est très importante parce qu'il y avait un ultimatum qui avait été donné et nous voyons tous aujourd'hui ce qui se passe. Merci pour ton soutien. Et ce qui est important, c'est de voir que les Camerounais sont vraiment partout dans le monde. Vraiment. Et que nous, le Cameroun du 21e siècle, nous sommes prêts à le construire parce que beaucoup de Camerounais ont voyagé, ont pris des compétences partout et nous sommes prêts. Nous avons les bras, le cerveau et les jambes pour construire ce Cameroun. Nous sommes tous sur ce qu'on appelle un point sur la ligne de départ. Il nous faut seulement que quelqu'un qui dise stop. Pour qu'on puisse venir. Alors, vraiment, merci. Merci. Super. Alors, bon, merci, mon frère. Merci à toi. On va prendre un second appel. Alors, je crois que Micheline va intervenir. Oui, elle va intervenir. Ah, j'ai pas vu. Désolé, Micheline. Je prends le second appel, comme ça, tu interviendras directement après le second appel. Allô, bonsoir. Mm-hmm. Oui, suis-je en direct, là? Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez essayer de mettre un peu plus de force dans votre voix, s'il vous plaît? Alors, voilà. Moi, j'appelle de l'Allemagne. Je suis un combattant, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez lever un peu le ton, s'il vous plaît? Parce qu'on a du mal à vous suivre, là. Vous me suivez mieux maintenant? Oui, là, c'est bon. C'est bon, maintenant. C'est bon.
c'est bon. D'accord. Alors, je ne serai pas très long. Un bonsoir spécial aux Amazones, hein, à toutes les femmes qui ont bien voulu nous rejoindre dans ce combat. Dès le début, depuis le 7 octobre, quand j'ai vu que les femmes nous avaient rejoints, je savais que la victoire était garantie. Voilà. Et donc. Allô? C'est le chrono de 2 minutes que je viens de lancer pour chaque internaute. Ah, on t'écoute. D'accord. Tout est en ordre. Alors, ce que je voulais dire en quelques mots par rapport au thème de ce soir, c'est appeler mon peuple, n'est-ce pas, appeler le peuple de la famille résistante à arrêter de compter à chaque seconde sur les décisions que prendront notre leader, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto. Que ce peuple désormais mature prenne ses responsabilités en main et arrête d'attendre qu'un homme de droit ou alors un homme politique comme le professeur Maurice Kamto les appellera un jour à l'insurrection populaire. C'est un peuple martyrisé depuis longtemps. Seulement sa douleur suffit pour qu'il se lève. Et arrache sa liberté. Personne ne vous la remettra sur un plateau en or. C'est là où mon chemin se sépare de celui du MRC qui dit la paix, la paix. De croire qu'on réussira à dégager une dictature de près de 40 ans juste avec des mots, juste juste en parlant. Pardonnez-moi de ne pas y croire. Alors, un second step de mon speech ce soir va à l'encontre de l'armée. Si nous sommes restés aussi longtemps dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est à cause de cette armée. Alors, il y en a marre que cette armée, enfin, joue son rôle, le rôle véritable d'une armée digne, qu'ils arrêtent de salir ce métier noble, qu'ils prennent un seul instant, sur eux de défendre la cause du peuple. Et si on était dans un autre état, l'armée aurait déjà récupéré le pouvoir. Ça, c'est la fin du chrono. Chut, quelques secondes comme ça. C'est bon, merci. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oh, super, merci encore. Merci, tu es resté concis et précis. Merci encore pour l'intervention. Désolé pour le chrono, c'est parce que il y a beaucoup d'interventions. Je veux donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. C'est totalement en ordre. Super. Alors, il y a dans le panel beaucoup de personnes qui sont là, des États-Unis, de la Suisse, du Canada, de beaucoup de partout dans le monde. Je crois qu'ils auront un mot certainement à te dire. Alors, je donne la parole à Micheline qui voulait intervenir tout à l'heure. Micheline, bonsoir à toi. Voilà, on t'écoute. Je ne sais pas si quel par hasard j'ai. Maybe I did raise my hand without knowing. Sorry about that. Okay, I just want to greet the combatant from Texas, and I hope that we're going to come in contact with him. So, hey, keep rolling. If I have to say something, I will join. I will say. Perfect. So let me take the new caller. So bonsoir à vous, bonsoir monsieur, bonsoir madame, dépendamment de. Oui, bonsoir. Moi c'est Maurice du côté de l'Italie. Maurice, c'est un prénom qui plaît à beaucoup de Camerounais. Oui, Maurice, j'aimerais intervenir. Ouais, je m'appelle Boris Ndanga. Ah, Boris. Tu as failli passer à côté de Maurice. Je me suis dit que tu t'appelais. Ndanga, il m'appelle Ndanga Wanji. Je suis un Bamena Bafan. Tu es un Camerounais, quoi, tu veux dire? Et depuis. Je suis un Camerounais. Oui. Ah, super. Ouais. Donc, j'avais un message à donner à la population camerounaise de la diaspora, comme du Cameroun, qui sont en train de nous écouter. Mm-hmm. Un petit message de sensibilisation. Ok. Merci pour ton message. Tu me donnes une seconde que je lance le chrono. Tu me donnes une seconde que je lance le chrono à l'heure de 2 minutes. Hein. Merci. Ok, super. Voilà, c'est parti. Ok, merci. Mm-hmm. On t'écoute. Allô, Boris, est-ce que tu nous écoutes? Oui, je vous écoute. Oui, c'est bon, tu as la parole. Oui, je voulais dire que à la population,
camerounaise, aujourd'hui, je voulais sensibiliser un peu ceux qui sont tentés de rester en arrière et le combat est tenté d'aller en avant. Je voulais dire, on ne peut pas confiner une population qui souffre. On ne peut pas confiner une population qui n'a pas d'eau potable. Parce que j'imagine, à l'époque, quand j'étais au Cameroun, on se levait à 5 heures du matin pour aller puiser de l'eau. Il y a des quartiers auxquels les puits, même quand vous puisez de l'eau, les puits sont vides, l'eau finit dans le puits et nous sommes alignés. On est obligé de changer de quartier. Il n'y a pas d'eau. La population doit toujours sortir pour aller chercher de l'eau. On va confiner une population qui n'a rien à manger. Et je vois des commentaires, ça m'écœure. Je ne sais pas quand certains Camerounais vont devenir conscients. Non, ne t'intéresse pas aux commentaires, je t'en prie. Ne t'intéresse pas aux commentaires. Ouais, ne t'intéresse pas aux commentaires. Vous êtes fixés sur... Ok, merci. Merci encore pour ton intervention. Hein. Pourtant, nous ne sommes pas fixés. Oui, nous ne sommes pas fixés sur Kamto. Nous sommes pour le changement. Nous voulons un Cameroun nouveau. Nous voulons le changement. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu à l'époque. Parce que moi, je suis un aventurier. J'ai pris la route parce que le pays. Parce que j'ai vu beaucoup qui ont fait l'aventure et qui se trouvent aujourd'hui en Europe. Et ils sont en train de mal parler du Cameroun. Ils ne veulent pas soutenir le combat pour un Cameroun nouveau. Parce que le gré à gré, le Cameroun n'est pas un royaume. Ok. Ok, je vais malheureusement être obligé de te demander de conclure, mon frère. Ton temps est terminé. Est-ce que tu peux conclure en quelques mots? Ok, merci, oui, merci. Merci à tous les Camerounais, merci à tous mes frères. Soyons actifs pour le combat. Ils sont en Italie, nous sommes prêts. Quand ça va commencer, même s'il faut que nous allons faire la prison ici, nous allons le faire au nom du Cameroun. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toi. C'est nous qui te disons merci. Alors, nous avons d'autres appels qui viennent. Les appels fusent de partout. Alors, avant qu'on ne continue de se concentrer sur les appels, je vais demander déjà du côté des coulisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire parmi vous qui est dans les coulisses? Hello? Oui. C'est Henri. Oui, il y a quelqu'un qui a... Oui, monsieur Henri, on vous écoute. Que les appels... Henri et Nestor après. Oui, on vous écoute. On écoute Henri d'abord. Oui, d'accord. Non, je voulais tout simplement dire la merci à tous ceux qui sont appelés jusqu'à présent. Et puis, mon message, c'est ce message à tous les Camerounais, où qu'ils soient dans le monde. Déjà, j'ai toujours dit, quand on est dans chez soi, les Camerounais m'appellent. C'est bon, ok. Donc, c'est-à-dire tout simplement, nous avons un dernier coup. Quand tu gagnes un match, là, quand tu gagnes la coupe, là, à la finale, tant qu'on ne t'a pas donné la coupe, tu attends. Mais il ne faut surtout pas qu'on dort. Pourquoi tous les Camerounais attendent aujourd'hui? Parce qu'on sait que notre capitaine est quelque part, il va nous dire « go ». D'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est un juriste. Il va falloir qu'on décortique son message. À partir de là, on dira aux gens, allons-y, c'est le moment. C'est le moment. Et tout le monde attend. Mais bien sûr, ce n'est pas à lui tout seul de délivrer tout le monde. Dans un match de foot, c'est un jeu collectif. C'est-à-dire que c'est pas, même quand il faut tirer un pénalty, il faut bien que ce pénalty soit créé par quelqu'un ou bien par la personne qui va tirer. Donc, soyons attentifs. Quand on va dire go, les gens au Cameroun, là, ils sont là. Moi, je leur fais confiance. Jusqu'à présent, là, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident. Là. Ce n'est pas toujours évident quand on se place dans leur position, à leur position. Mais je dis, au moment opportun, je vous assure que quand ils sortiront là, ils sortiront. Et nous, au niveau de la diaspora, il faut qu'on continue. Il va falloir qu'on booste avec les messages. Il faut qu'on pousse, on pousse, on pousse. Et je vous fais confiance. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Au moment opportun, le but sera marqué comme il se doit. Merci. Merci encore pour l'intervention. Alors, il y a Monsieur Nestor Nana qui voulait dire quelque chose, si je ne me trompe pas. Yes, yes, I wanted to say something. And okay. I just wanted to echo the voice of the brother that called from Italy. Okay. I want to call on my fellow Cameroonian in Cameroon and around the world. I just want you to know that you are a human. You are a human being. This is about claiming your humanism.
You are a human being like any human on earth. No one's supposed to see you as less than a human. It's not because of your tribe. It's not because of where you were born. It's not because of your economic condition that anyone should be looking at you as less than a human. This is about claiming your humanism. What is going on in our country is just sad. It is criminal. It is unacceptable. It is unacceptable. And it is time. It is time for each and every one of us to really step out of our reserves and call for an end to abuse. This is governmental abuse. We don't need to wait for the president-elect to make the decision for us. It is about claiming our humanism. That's what this is all about. Mindfulness. Be mindful of the fact that you are a human being like any other human on earth. That is the bottom line. Thank you very much. Thank you too. You're welcome. So let us go ahead with calls. Pour ceux qui veulent appeler, c'est le moment où vous pouvez appeler maintenant. On est ouvert aux appels et je donne la priorité, comme toujours, aux appels venant d'Afrique. On a eu les appels d'Éthiopie, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Chine. Donc, la priorité, c'est d'abord aux appels venant de l'Afrique. Mais si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez surtout pas. Alors, on a un appel qui vient d'Afrique. Allô, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'Afrique, là. Vous voulez intervenir à l'émission? Oui, Sylvie, j'interviens à l'émission. J'appelle depuis le Maroc. J'ai appelé la ligne. Oui, oui. Bonsoir à toi. Bienvenue dans l'émission. Tout le monde t'écoute. Ok, vous pouvez me permettre de parler en langue, un langage camerounais pour éveiller une partie du camerounais qui vont comprendre. Tu choisis ta langue, mon frère. Ta langue, c'est ta langue. Tu choisis. Tu veux, tu parles en pidgin. Tu veux, tu parles comme tu veux. Tu es libre. Non. C'est pas un midi, mais c'est une langue camerounaise quand même. Mais c'est encore même bien, c'est encore meilleur. Vas-y, tu as la parole. Pour toi, je vais enlever le countdown. Exprime-toi comme tu veux, tu es libre. Ok. Avant de lire, on a fait Freeboy. Oh, Freeboy, on a aussi, on a dit, listen to me, il y a des photos du monde. La rêve, on a senti, c'est d'appipi. Et nous, on comprend. Nous, c'est de nous comprendre. Nous, on comprend. Alors, il veut nous comprendre. Ou bien, vous mettez les anglophones, people, dedans, mec. La soi gefou bi na la guerre comme à la guerre. That you will be the calice and justice and a moi come to do orchin. No, you know, passo. Because some people need for Cameroon, the justice and the tolice, when I did for Asa, when I come for ya, no, le combat la for Asa. Because even step for Asa, yeah, ambassador them, they know say they will, you can be for that port or two. Everything will be down. À l'issue, à observer les pays où les défis pour Cameroun, ils comprennent qu'on a l'anglais ou l'italien. Spécialement pour la Berry, à gain confiance pour ma pépine d'infodé. Yes, à gain confiance pour on a. Oh man, baisser que pour la Berry, on a dit comprendre, mais son temps pépine ou les filles reconnaissent, mais ben, nous, le problème, à faut livrer dans Cameroun. Il faut en se la pépine de go out. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à toi. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je traduise parce que tu as insisté pour parler en cette langue-là, donc je ne sais pas si je dois traduire, mais je me dois quand même substantiellement de dire que, alors c'est pour dire à tout le monde que ce n'est pas le professeur Kamto, il reprend substantiellement ce que le frère a dit tout à l'heure, donc ce n'est pas au professeur Kamto de venir encore battre les sentiers pour vous, levez-vous vous-même, battez-vous pour que, je vais pas utiliser le mot pipi, je ne sais pas comment traduire ça, mais je crois que celui qui est indexé sait de quoi on le traite, donc pour que ce monsieur se grabattait qu'il le pouvoir et que le Cameroun revienne au peuple. Donc, merci encore pour ton intervention. On va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Vous nous appelez d'Afrique aussi. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez aussi d'Afrique? Allô, bonsoir. Yes, No, I'm not calling from Africa. I'm calling from America. Ah, Texas, from US. Austin. Okay. Okay, you are welcome. Please, can you be yes, a little bit Sophie. Louder? Okay, my name is Sophie. I'm calling from Texas, Austin. Yeah. And I will speak in English. Yeah, it's okay. I just wanted to say, guys, thank you for what you've been doing so far. And I just want to stress again the fact that, as my previously people have been saying, you shouldn't be waiting for President Kamto. He has done already so much. And you should go ahead. You should go ahead and understand and read the time, read the season, and understand that this is the moment for us to strike. And again, because if you look at 1 year ago, we failed because we were waiting for a go-ahead.
and you'll be waiting. And the, when the go ahead was given, people were outside there to wait for us. So we should be proactively going forward and doing what we have to do right now. I just wanted to say thank you for everything you are doing, and go ahead, guys. Vive le Cameroun. Vive Camto. Vive la base. Merci. Thank you too. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you too much. So, vous avez vu l'intervention de quelqu'un des États-Unis. Alors, on va prendre un dernier appel pour cette ronde. Après, on retourne encore en studio. Allô, bonsoir, vous nous appelez d'Afrique. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. C'est pour l'émission, non? Vous êtes en direct, on vous écoute. Bon, pardon. Oui, c'est pour l'émission. Mais je voudrais parler en piédine, s'il vous plaît. Bien entendu. Merci. Yeah, bon. Voilà. I want to say one thing for my country, pour l'info, pour Foucault, piquer l'info, la pyro de Mbanga. I want to call on a say, oh, on a be ready. Mais no man, no shake. No shake, shake boy. Mais on Mbanza, bon, mais on a be ready. On a come out for spirit. 1 year, now one free ball. Take it from my pan. If you know 1 year, call on a be a court. Now, so we will put down call for the same way. If you 1 year, one make say you don't free, on a visa you long, go now for him for free ball. Tell you say country go change. Say all begin for the country, get for drink good njiba. No be now only Eric King go drink njiba, we go drink njiba like he. Born and for Penja, born and for Mungo, born and for us, and we wanna be free ball, the moon be ready. Me wanna frog it down, go tarp for the for net, we tarp for daytime for toxic country change. If in a higher, we go higher, higher. Country get for chain. Free ball them. When I wake up, shake skin. For rhythm of la people de Mbanga, remember his spirit. No say ancestors and therefore don't they see we. No man, no future for talk say you go put me down. Free man no jida. Spirit for man no jida. We get for be ready. Ball. One spirit. So they come, it will be free. Now all my talk that free ball them for go. On a be free. Thank you. Thank you too. You're welcome, man. You're welcome. Donc, je sais pas. Je vais honnêtement pour ceci, je vais pas traduire. Vous allez m'excuser. Je vais pas traduire. Mais on a tout compris. On a encouragé. Pour l'autre, si je vais pas traduire. Pour ça, je vais pas. Donc, le frère était en train de dire. Le frère était en train de dire aux combattants. Il invitait tout le monde. Il invitait les frères anglophones. Il disait que à chaque, on va attendre d'abord le discours du président élu. Après ça, ce qui est sûr, c'est que notre destinée nous revient à nous de changer les choses. Donc, dès que nous allons prendre la rue, nous devons nous rappeler que ce sera un militaire pour un Camerounais. Et si un militaire tente de foncer pendant que nous sommes en train de nous battre pour la liberté de notre Cameroun, on le descend. C'est ce qu'il venait de dire. Ok, okay. Merci encore, Micheline, pour la traduction. Honnêtement, je n'ai pas pu traduire ça. Je dis encore merci à Micheline pour, voilà, pour cette ouverture d'esprit. Déjà, je veux dire, on va lentement comme ça vers la sortie de cet entretien. Chose Stevie. Je peux compléter un peu ce qu'il a dit. Oui, bien entendu. Donne-moi juste une seconde, je reviens derrière. Madeleine, tu viens de toi avec fort. Toi, tu es un gars critique. Donc, tu as convoqué une conférence de presse et invité les journalistes pour leur dire que c'est la chauve-souris qui a filé le corona aux gens. Yeah, mec. Tu t'assois, tu lis le discours. Même lis d'abord, tu dépasses. Tu racontes les conneries aux gens. Tu dis qu'il y a plus de 500 000 chauves-souris. Tu as compté comment? Même la population du Cameroun, tu ne maîtrises pas bien. Dis les gens que tu peux parler, viennent, tu écris leur nom. Mais tu as compté les chauves-souris. Tout ce qu'a dit qu'ils sont 500 000. Que c'est le vecteur principal. Qu'ils sont frigivores, ils mangent le fruit. Yeah, mec. La relation avec les fruits et l'homme, c'est quoi? Et qu'il vient déposer dans ta cour, mon frère. Tu causes avec les chauves-souris. Tu chopes la chauve-souris. On sait qui file les maladies. Mais ta relation avec Corona, c'est quoi? Qui t'a même nommé ministre? Est-ce que tu es normal? Yeah, mec.
Donc toi et tes chercheurs, vous avez réfléchi, réfléchi en quelques jours, conclu que c'est la chauve-souris qui a filé ça aux gens. Donc la chauve-souris a pris le vol. Il a payé son billet d'avion. Il est quitté de la Chine, venu au Cameroun. Où il a seulement mordu les gens pour leur donner le corona. Où se comment où? Mais là, tu... La honte t'avait fait quoi? Si j'étais ton fils, je me suicidais. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Que ma mère se place à l'antenne et dit aux gens, elle raconte les conneries. Même le charisme de 10 francs, tu n'as pas. Et dès que tu parles comme quelqu'un qui est en mode de décès. Hein? Donc, en mode de décès. Et le frige va. Il contamine les hommes. Attends, sois un peu sérieux. Mais attends, le ministère doit avoir le charisme, non? Tu diriges les gens au ministère de la recherche scientifique. Votre budget vous sert à quoi exactement? Ouais. Donc, après toutes ces années-là, vous avez fait une très grande découverte. Si on vous demande que vous servez à quoi, c'est même quel genre de ministère que vous créez pour nuit, pour finir la jambe des époux des humains comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes comme ça au Cameroun? On t'a nommé pourquoi? Tu as quelle qualité? Tu as quelle qualité scientifique, la mère? Même si tes chercheurs se sont trompés, toi, tu dois avoir un peu de mémoire pour dire non, ça c'est un document qu'on ne peut pas publier. Pourquoi vous voulez qu'on pense que le Cameroun, c'est un pays de merde? C'est vrai. C'est un pays de merde, mais il ne faut pas qu'on rende ça public. Imaginez à l'étranger, quelqu'un de l'étranger écoute ton discours là. Il va se demander si nous sommes des blagueurs ou si nous sommes sérieux. Ton problème avec la chauve-souris, c'est quoi? Tu as dit que vous êtes en train de fabriquer les masques que vous allez vendre à moins de prix. Vous ne pouvez pas distribuer les masques là aux humains. Hmm? J'ai dit que hein, vous ne pouvez pas distribuer les masques là aux humains pour qu'on essaye de se protéger. Tu veux vendre à moins de coût. Tu connais même d'abord que l'écart entre les fils pour un masque, c'est combien de millimètres. Tu connais ça. Le masque là, tu vas même protéger avec quoi? Tu sais combien qu'elle produit sur ça pour bloquer le virus. Yeah, okay. Si tu es sage, non, ne parle plus jamais. Va t'asseoir dans ton bureau, tu signes les papiers, on donne le budget, tu fais ce que tu veux faire avec. Tu attends, le temps passe, on t'arrête aussi pour avoir voulu l'argent. Tu quittes, on met un autre comédien qui va reproduire le même cycle. Mais toi, ne parle plus jamais. Ne mets plus la honte sur les gens. Moi, ton argent, mais ne se suis pas les Camerounais, gars. Yeah, ma gueule, mon fou coco. La chauve-souris. Ton cas est critique, la mère, je te jure. Donc, bonsoir à tout le monde. Ça, c'est une vidéo qui, lorsque j'ai suivi, m'a totalement fait mourir de rire. Que nous allons devoir revenir plus tard quand on va avoir la confirmation de l'heure exacte de la sortie du professeur Maurice Kamto. On va revenir avec la même équipe pour faire un débriefing là-dessus. Donc, on était dans les coulisses avec Micheline Mich qui voulait nous partager quelque chose de ce qui a été dit en pidgin, bien entendu. Donc, Micheline Mich, tu as la parole. On t'écoute 5 sur 5. I just want to complete with my the best way you just recently talked from Texas. I want to greet you and talk. See, ready? We ready? And as we all know, say Mr. President Maurice Kamto talks, say, now we go decide for the form. Now we go decide for the form of the government we want. We know say some people want to. We know say some people, they don't say no, 3-4, but now we as the people. So now we will come out to fight. So I just want to say, may all we will do diaspora from Southern Cameroon, may we be ready. Once we get that notice, say this time, now time for we for take the outside. We get for Shidon, you know, for all the Cameroonian embassies, where they all over the world. So we will do America. We don't protest, we don't do whatever, we don't do that. Time this way, we go take embassy for Cameroon and Shidon for them, and they give us solution. Because if we leave Paul Biya in place, or Paul Biya na die, might not die anyway, sorry. If we leave whoever, Ngongo, replace Mr. Biya with his Pekin, Frank Biya, it means saying a continuity for killing in the southwest and northwest of Cameroon. So no be time we'll get for be divide. Now time this will get to be unite. Any mistake, we should not for Cameroon embassy, we put them out.
So agree to all analysis. Really wait on a response. Thank you. Thank you too, Micheline. You are welcome. You are welcome. Donc, nous avons une intervention de Micheline là maintenant. On va prendre un dernier appel. Et bon, disons trois derniers appels comme ça pour que nos frères puissent nous rejoindre plus tard quand on va commencer à faire le débriefing même de la sortie du professeur Maurice Kamto. Donc, allô, bonsoir, vous nous appelez de très loin, c'est pour ça que j'ai insisté pour vous rappeler. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, allô, madame, on vous écoute 5 sur 5. Dites-moi, vous êtes camerounaise, oui, non? Oui, je vais vous parler. Oui, ah, alors, monsieur, je suis camerounaise, je vis en Turquie. Mm-hmm. Super, on vous écoute 5 sur 5. Oui, je suis venue pour vous suivre en direct parce que franchement, j'apprécie d'abord ce que vous faites d'abord. Je vous remercie d'abord parce que vous avez beaucoup de Camerounais. Vous comprenez? Mm-hmm, merci, merci encore. Je passe le message à toute l'équipe. Moi je préfère que pour moi, que tous les Camerounais puissent sortir dans la rue et prendre leur destin en main. Regardez Burkina Faso, c'est un petit pays par rapport au Cameroun. Mais voyez comment est-ce que nous sommes menacés, nous sommes maltraités. Vous comprenez? Mmh. Vraiment, pour moi, que le président Kamto, il dise aux Camerounais de sortir, qu'on ne pas prendre notre destin à la rue. Parce qu'en restant toujours pour dire, il y aura changement, il y aura changement, il n'y aura pas changement si on ne va pas à la rue. Un policier, pas du tout Camerounais. Allô? Oui, on vous écoute 5 sur 5. C'est quelqu'un du studio qui a vu son micro. Oui, parce que, par exemple, s'il y a 1 million de Camerounais dehors, les policiers ne peuvent pas attendre 1 million. Un policier ne peut pas tuer son frère, peut tuer deux frères, trois frères, quatre frères, encore le tue. Franchement, on descend la rue, on a l'arbre de paix, on prend le destin en main. Voyez, moi, je préfère qu'ils disent souvent aux gens, je ne suis pas le public, je suis ambazonien parce que j'apprécie beaucoup ce que les anglophones sont en train de faire. Je vous dis la vérité. Marie, qu'on les tue tous les jours, mais j'apprécie leur résistance. Si nous, les francophones, on peut faire la même chose, c'est que là, maintenant, le Cameroun est à paix. Voilà, par exemple, que le président ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Vous voyez? Vous appelez ça un pays. J'apprécie que Kamto fait, que le président Kamto fait, mais franchement, qui nous demande de descendre dans la rue? C'est ce que je voulais vous dire. Qui demande qu'on descende dans la rue, monsieur? Et on va descendre. Merci encore pour vous. Et j'apprécie que vous faites beaucoup. Merci pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Bonne soirée à vous. Oui. Coupez vos microphones, s'il vous plaît. Coupez vos microphones en studio, je vous en prie. Coupez vos microphones en studio. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, on vous écoute, 5 sur 5. C'est pour intervenir à l'émission. Allô? On va passer à un autre appelant. Celui-ci n'est pas réveillé. On va passer à quelqu'un qui est debout. Alors, déjà du côté du studio, on va prendre un dernier appel, là, un tout dernier appel. Il y a Nino qui veut dire quelque chose. Allô, Nino, tu as la parole. Oui, chers frères et sœurs, je tenais encore à rappeler ceci-là. Je m'attelle toujours dessus. La sortie du président élu Maurice Kamto, il y a de cela 7 jours, ou donné 7 jours, c'était 2 messages. Il voulait faire appel à la communauté internationale de prendre acte de la vacance du pouvoir des Tutsis. Et en même temps, il passait déjà le signal que vous et moi nous attendons aujourd'hui que le pouvoir n'existe plus. Prenez vos responsabilités. Et lui, il reviendra en arrière comme sapeur-pompier. Et si la communauté internationale voit ce qu'il les a demandé de voir et qu'il ne parle pas, qu'il n'accuse personne demain. Donc, au fait, lui, il avait déjà passé le message que vous et moi, on est là à attendre de minuit à 14h. Il a déjà passé le message. La communauté internationale a entendu, ils ont vu. Raison pour laquelle il a entendu à l'Afrique du Sud, à l'Union européenne, tout et tout. Et il avait déjà dit, il y a de cela quelques mois, quand il sortait de prison, si je tombe, prenez vos destins en main pour libérer le Cameroun. Il faut toujours essayer de lire entre les lignes. Ne regardons pas seulement la tête de l'homme. Il faut comprendre ce qu'il dit.
tout ce que vous attendez aujourd'hui dans ce direct de Kanto dans 2-30 minutes. Non, il a déjà fait son travail. Il a demandé depuis il y a de cela 7 jours à la communauté internationale, voilà la vacance du pouvoir. La communauté internationale a vu. Vous allez venir intervenir ou pas? Il a posé la question à la communauté internationale. Au peuple camerounais, il a donné une seule mission. Vous avez constaté déjà comme moi et comme la communauté internationale qui a vacances. Prenez votre pouvoir. Prenez votre pouvoir. Ce n'est pas à lui de venir dans un quelconque discours. Non. Lui, il est occupé à l'heure où on est en train de parler là, en train de discuter au téléphone avec tous ces gens de la communauté internationale. Oui, ça, c'est son rôle. Le rôle de Bonaventure, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le droit à la grève, le droit à la manifestation. Vous pouvez faire des flyers, distribuer partout dans Bonaventure, partout dans Akwa, mettant en garde tous les policiers. Poussant le peuple à prendre les droits. Coupez vos microphones, s'il vous plaît. Merci. Coupez vos microphones. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Alors, coupez vos microphones. C'est le microphone de M. Nestor Nana, je crois. Alors, il y a M. Nestor Nana qui a demandé la parole. Il y a Capitaine Raïssa qui a demandé la parole et Blandine. Yes. Oui. Alors, Monsieur Nestor, la parole est à vous. Okay, thank you very much. I just want to echo what Minode just said. You know, the president-elect did what he's supposed to do. And he did it so well. He did it so well. What Cameroonians need to remember at this particular time is that we are from a country. there's a noise there, okay. We are from a country that is experiencing lack of freedom of expression. A country that is experiencing lack of equal opportunity. A country that is experiencing lack of government accountability. The leader, the president-elect, did his part. It is now upon us, Cameroonians from all over the world, to do our part. I very strongly agree with my brother Nino that just spoke. Yeah. He said so well. It is time for us to rise up and claim our humanism. We are human. This president, ignoring his people, need to remember that Cameroonians are not cow. They are human beings. We are not sheep. It is time for Cameroonians to step out the box and take the road to claim their humanism. What you will be doing is claiming your humanism. That's what this is all about. This is more personal than anything. We are facing deaths. Coronavirus is the number one killer. When the Minister of Research came out to talk about animals, she was making fun of herself. This thing came from China. Make no mistake. That's where it came from. And the country is not being accountable. The government is not showing no accountability. So it is the responsibility for every single Cameroonian, CPDM, CRM, any political party, no political party, to hit the road and claim your humanism. Because it's a killer and it is killing everyone. Just be mindful of that. Be very mindful of that. It's not about Professor Kamto. It's not about the CRM, the Cameroon Renaissance Movement. No, no, no. It is about humanism. Thank you very much. Thank you too. Maintenant, alors, Capitaine Jean Raïssa, est-ce que tu avais quelque chose à dire parce que je t'ai vu avec la main levée? Oui. Bonsoir tout le monde, rebonsoir. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute 5 sur 5. Ok. Ce que j'aimerais dire pour ajouter avant la fin, si j'ai bien entendu, tu as dit après cette question, je vais un peu plus pouvoir attendre si le président devait faire une sortie.
Donc, ce que j'aimerais dire avant la conclusion de cette émission, j'aimerais regarder pourquoi les Camerounais en face. Je pense qu'il y a assez de temps à faire. Donc, mon temps de loisirité, c'est quand peut-être je fais quelques mouvements sportifs. C'est pas tout ça. Donc, ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que quand un Camerounais, toi, tu es sorti pour aller chercher tes derniers points, pour faire le respecter, on te demande pourquoi est-ce qu'on martèle tout ton être, on martèle ta tête pour que tu comprennes plus à l'heure tu es ou à tout ce qui est son propre. Ce qui fait, je dis ça, c'est parce que jusqu'à maintenant, je vois certains cabinets qui ont un langage que franchement, on les met devant moi, je vais racler, je ne sais même pas comment je vais faire. Parce qu'il est inadmissible que nous soyons comme toute la vie. Il y a qui accepte d'être comme toute la vie? Que quelqu'un qui est venu, que c'est toi qui l'as élu, il n'a même jamais été élu, il a pris ça parce qu'il a été malin. Donc tu acceptes d'être bête pendant 40 ans. Après 40 ans, tu continues à être bête. Là où je comprends, je dis que non. On ne va pas nous insulter comme ça durant toute notre vie. Parce qu'actuellement, là, on insulte quelqu'un, est-ce que tu penses que je suis Camerounais? Je suis bête comme le Camerounais. Mais faites très attention, parce que c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe même en intimité ou bien, je ne sais pas, quand tu poses avec les gens des autres pays. Et je pense qu'ils ont raison, parce que nous sommes bêtes. Comment se fait-il faut que je te convainque pour te dire que ça va? Comment il faut que je te convainque pour te dire que la tomate que tu vends là, tu pourrais gagner plus? Comment il faut que je te convainque pour te dire que la vie qu'on te fait mener là, tu pourrais être plus digne que ça? Mais ça me fatigue à la fin. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas de temps à perdre. Quand j'aime une minute, je peux faire même courir, je ne sais même pas quoi faire. Donc, les Camerounais, on n'a pas besoin de sortir pour quelqu'un. On sort pour nous-mêmes. Moi, d'ailleurs, je sors pour moi d'abord. Hein. Je ne sors pas pour le beau plaisir de quelqu'un. Hein. Je sors pour moi. C'est pour ça que je suis dehors. Et si toi, tu ne veux pas comprendre, ça veut dire que tu seras bête, tu sais ce qu'on te met dans ta tombe. Fais très attention. Il faut savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas être manipulé et accepter d'être manipulé. Ça veut dire que tu es content de convenir les gens. Merci à toi, Diane Raïssa. Vous avez suivi Diane Raïssa, on peut résumer. Donc, elle a dit clairement, ne restez pas bête, ne mourrez pas bête, ne mourons pas bête. On repart du côté du sujet. S'il te plaît, je peux dire quelque chose, juste une seconde. Oui, s'il te plaît, en deux minutes, parce qu'on est en train de sortir, il faut qu'on arrive. Oui, une minute. Ok, c'est bon. Moi, je disais, regardez, dernièrement, vous aviez dit, on n'est pas politique, on est activiste. Alors, je nous vois figés derrière Kanto qui est politique ce soir. Pourrions-nous réfléchir, oublier Kanto jusqu'à ce qu'il sorte quand il veut? Qu'est-ce qu'on doit débattre? Par exemple, le sujet de Micheline Mich à propos des prisonniers. Oui, on va faire une émission pour parler uniquement des prisonniers. J'explique ce que je suis en train de dire. Laissons le Maurice Kanto, il est politique. Quand il va faire quelque chose, on va s'épingler sur lui. Mais allons focus sur notre activisme. On doit préparer. Est-ce que c'est possible que nous, la diaspora, on descend au Cameroun? Comment on peut arriver là-bas pour motiver ceux qui sont là-bas? Parce que moi, je suis prête pour descendre au Cameroun, la mort ou la vie. Parce que le temps passe, le temps presse. Et je vois qu'on est en train de s'amuser. Voilà comment on est figé à cause de Maurice Kanto. Lui, il a son programme avec le MRS et nous, on est des activistes. Restons focus avec nos idées. S'il vous plaît, comment aller, s'il faut qu'on descende au Cameroun pour aller ouvrir les prisons, moi, je suis prêt. Ok, merci encore. Merci, on a compris, ma mère. Merci encore vraiment. Merci pour la proposition. Mais comme aujourd'hui, on avait mis le titre de parler de la sortie du professeur Maurice Kanto,
C'est pour ça qu'on s'est concentré sur la thématique du professeur Moïse Kamto. Mais on va faire une sortie spéciale, comme on l'a dit comme on l'a dit en fond. Oui, je reviens. Oui, écoute une seconde, s'il te plaît. On va revenir là-dessus. On va faire une réunion. On va voir les éléments qu'on va mettre dehors pour en parler. Et on va venir parler des prisonniers quand on aura suffisamment d'informations pour parler des prisonniers. Pour le moment, on est en train de récolter encore les informations. Je profite aussi pour passer à tous ceux qui nous suivent l'information de la présidente qui disait que pour tous ceux qui ont des informations concernant le Cameroun, n'hésitez pas à contacter le BFR, soit sur la page Facebook. Sur la page Facebook, vous avez le site web à travers lequel vous pouvez envoyer toutes les informations que vous avez, les coupures de presse, les captures d'écran. N'hésitez pas à envoyer ces informations-là. On va essayer de voir comment on peut recouper ça avec notre équipe. Et voilà. Donc, merci encore pour l'information, maman Josette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? On est en train de partir à la fin de cet entretien ce soir. Merci encore à tous ceux qui sont là. Alors, en quelques mots, s'il vous plaît, parce que je vais être obligé de mettre le chrono, parce qu'on doit vraiment arriver à la fin de cet entretien. Deux minutes maximum pour chacun. 2 minutes pour chacun. Et je prie encore chacun de couper les microphones, s'il vous plaît. Vraiment, coupez vos microphones. Que la seule personne qui parle garde le micro ouvert. Alors, Pidjal, on t'écoute. À toi la parole. Oui, déjà, je vais dire bonsoir aux panélistes qui sont là, bonsoir à tout l'auditoire qui nous écoute. Excusez-moi, je ne sais pas combien le nombre, parce que là, présentement, je suis au travail ici chez nous. Il est 4h30, c'est-à-dire 16h30, heure Canada. Oui. Je peux dire, c'est que je pense que le professeur Maurice Kamto, comme a dit tout à l'heure le combattant Nino, a bien analysé. C'était un signal dit au peuple camerounais, vous savez, après 7 jours, à vous de constater la vacance de ce grabataire, octogénaire inexistant déjà depuis 38 ans, parce que de toute façon, le coronavirus, vous regardez un peu ici chez nous, je prendrai particulièrement le cas d'où je vis à Montréal, ça fait à peu près un mois qu'ils établissent les stratégies, mais ils nous disent que le pic, c'est-à-dire que le pic, c'est quoi? C'est-à-dire que le décès, le taux maximal, parce que c'est un peu un pic, c'est un peu des courbes. Les analystes statistiques dans les courbes, ils vont essayer de donner, de prévoir. Ils disent que le pic devrait être atteint dans 10 jours. Vous imaginez depuis un mois et demi le fond avec toutes les mesures qu'ils ont prises ici, on a quand même des morts. Imaginez-vous au Cameroun, on n'a même pas encore commencé. Donc mes frères, mes chers frères et sœurs, sachez une chose, si ce n'est pas le coronavirus qui vous tue, vous-même, vous allez vous tuer. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on sorte. Oublions, moi, je suis d'accord avec quelqu'un qui a dit tout à l'heure que je pense qu'il faut passer aux choses concrètes. Il faut vraiment qu'on y aille. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un leader qui dira aujourd'hui, prenons la rue, non. Ça c'est un truc des activistes et la société civile. Qui devrait s'organiser pour aller dans ce sens. Donc, à mon niveau, je pense que à minuit, c'est quoi? C'est 23h59. Là, on passe à autre chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait que toutes les cellules s'activent pour faire partie de ce tyran sans attendre, plus attendre le mot d'ordre de qui que ce soit. On est rendu vraiment au bout du rouleau compresseur. Il faut passer à la tête supérieure. Plus besoin d'attendre un mot d'ordre, plus besoin d'attendre qui que ce soit. Peuple camerounais, prenons nos responsabilités en main, nos destins en main. Soit on est inactif, que le coronavirus vient tous nous décimer. Déjà, si vous regardez aujourd'hui, si vous avez écouté les nouvelles, l'ONU, dans leurs prévisions, prévoit à peu près 1 million de morts en Afrique. OK? Je ne souhaite pas. Ça me fait vraiment très, très mal. Je ne vais pas vous mentir. Ça me choque de savoir que les miens sont vraiment dans cette boisbelle, dans ce tourbillon infernal, dont ils ne sont ni les tenants ni les aboutissants. À cause du statu quo de leur okay. dirigeant. Il est quand même inadmissible en, que en deux, Biya... en deux secondes, Benjo, pardon. Ok, merci. Il est inadmissible que M. Biya continue à rester inerte, continue à se taire face à cette pandémie mondiale. C'est vraiment inadmissible. Excusez-moi, merci Stevie, merci à toi. Pour tous ceux qui nous écoutent et puis merci aux panélistes qui sont là. Super. Et puis on se dit à bientôt. Restons scotchés, on se bat. Voilà. Il y en a qui n'ont pas pris la parole depuis. Je vois comment la pointe qui n'a pas pris la parole. Oui, Stevie, justement, oui, si alors, je prends la parole, une alors, seconde, si, ça m'arrangerait. Oui, en quelques secondes, alors s'il te plaît. Oui, bienvenue merci, à ouais. toi. Ouais, mais dans le même ordre d'idées, justement, avec tous les panélistes de ce soir, j'aimerais dire que ce n'est pas vraiment au professeur Maurice Kamto
à donner un mot d'ordre, parce que le mot d'ordre, nous l'avons déjà depuis des années, pas depuis 16 jours. On a déjà le mot d'ordre en face de nous. C'est qu'on fait semblant de ne pas voir. Parce que la réalité, elle est là. Pidja vient de faire une analyse technique, pratique, que tous les présidents du monde ont fait. Voilà qu'au Gabon, aujourd'hui encore, on voit un président mourant qui sort d'un AVC. On connaît très bien les retombées de l'AVC, mais qui a eu le temps de parler à son peuple. On voit aujourd'hui au Cameroun des micro-attitudes, toujours dans l'informel. Je prenais encore le cas hier de parler, en parlant des tarsimènes. Les tarsimènes, aujourd'hui, on leur dit il faut un écart de 1 mètre. Au lieu de prendre 5 personnes, maintenant vous êtes obligé de prendre maximum 3 personnes, pour faire 4 personnes dans la voiture. Est-ce qu'en réalité, on respecte les règles du confinement? Voilà encore des mesures idiotes que le Cameroun prend. Et on est là, on regarde. On ne lui dit rien. Personne ne s'offusque. On ne leur dit pas, OK, prenez même une personne. Vous mettez derrière comme un tarsi normal, comme on voit au Canada, en Europe. Et à contrario, vous ne payez pas des taxes. On vous fait peut-être payer le litre d'essence à 100 francs CFA parce qu'il y a des fonds de souveraineté prévus pour. Il y a le SNH qui est là. On attend que la signature de M. Mbia, mais on est bloqué. Aujourd'hui, on nous enfume. On nous dit il y a 1 milliard. 1 milliard, en réalité, c'est une semaine dans un pays normal. Donc, il faudrait qu'on arrête. C'est à nous, effectivement, de prendre nos responsabilités et expliquer à nos frères et sœurs restés au Cameroun que ça ne va pas. Il faudrait à un moment qu'on ouvre les yeux. On va continuer à nous enfumer jusqu'à quand? Quand dans tous les pays africains, les prisons sont en train d'être vidées pour aider les familles et les prisonniers même de droit commun à aller se traiter ou aller vivre en famille. Mais plutôt, c'est l'inverse. On voit des marchés pleins, on voit des bars qui ouvrent maintenant. Au lieu d'ouvrir à midi, les bars ouvrent à 6h du matin. Et pour fermer à 18h officiellement, et officieusement, la prix est baissée et derrière, on continue à vendre des poissons. On continue encore à aller dans des deuils au village. Nous, Bamileke, par exemple, on n'y a plus de mesures. Non, on est dans un gouvernement informel que si on ne se lève pas, si on ne se réveille pas maintenant, on ne se réveillera plus jamais. Parce que le gré à gré, au-delà de ça, il faudrait quand même qu'il y ait une conscience collective. Il faudrait que des Camerounais se disent que non, quand même, on est en confinement en réalité, pas depuis 2 semaines, mais depuis 39 ans. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Et sincèrement, je prie beaucoup pour le Cameroun. Merci. Il ne faut pas croire aux élucubrations de la chauve-souris ministre de la Recherche qui nous a encore sorti une théorie malsaine de chauve-souris. Parce qu'en réalité, on parle de chauve-souris, on parle de chimpanzés en Chine, qui contamine les Européens et les Américains, mais on va aller tester les vaccins en Afrique. C'est quand même incroyable. Un gouvernement d'irresponsable où nos chefs d'État, j'ai l'impression, ont le cerveau des moineaux. Bonsoir. Bonsoir à toi, Kamal Apanté. J'ai vu du côté de l'autre côté, là, on va prendre vraiment... Je suis désolé, mais on va devoir clore cet entretien pour ce soir parce qu'il faut qu'on cherche les informations. On est à la chasse aux informations, donc on va prendre deux interventions. La présidence, c'est d'office, bon, c'est l'article 2 de la présidence, et on va prendre Henri qui, depuis, a un doigt qui titube là. Alors, monsieur Henri, vous avez la parole. Oui, merci. Non, c'est tout à l'heure quand la combattante de la Turquie a parlé, ça a attiré mon attention sur quelque chose que je dis depuis un certain temps. Et que beaucoup d'entre nous pensons aussi, et très souvent le professeur Mamsi a souvent parlé de ça. Moi, je suis un gardien de mer, ok? Je suis né à Makeyama. Quand je regarde cette zone-là, à partir de Bolondjo, je dis, quand je compte les commissariats qui sont autour, on a le premier arrondissement, le deuxième arrondissement, le troisième, le sixième et tout ça. Dans chaque commissariat, je vous assure qu'il n'y a pas plus que 50 policiers. Mettons 100 policiers là, ok? Si on prend les 100 policiers multipliés peut-être par 5 commissariats, là, ça fait 500. Doublons ça, ça fait 1000. Prenons la gendarmerie qui est à Bopila. Je ne suis pas sûr qu'ils sont plus que 150 là-bas. Mettons 200. Et les militaires, là, je vous assure, là, si chaque quartier seulement voilà, sort avec 1500 personnes, chaque quartier, je vous assure, tous ces hommes en tenue, là, ils ne pourront absolument rien. Parce qu'à un moment donné, aussi, ils ont peur de leur vie, hein. Ils ont peur de leur vie. Donc, j'attire pour ceux qui nous écoutent là au Cameroun, là, n'ayez peur de rien. Si tu prends une arme, là, même si elle est chargée n'importe comment, à un moment donné, tu vas tirer un, deux, les autres vont venir sur toi et tu vas fuir. Ils ne sortiront même pas en uniforme. Donc, il faut absolument que nous martelons ça aux gens au Cameroun. Là.
Vous sortez tout simplement, vous prenez le commissariat, ils vont fuir. Non, toujours même pas au commissariat, c'est en tenue là. Les militaires, ils vont partir parce qu'ils verront en face de leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans, leurs enfants. Et ils ne tireront pas. Parce qu'eux aussi, ils souffrent. Quand vous entrez dans un commissariat, vous voyez une chaise d'un policier là, mais je me demande s'ils sont en santé. Tu ne peux pas t'asseoir sur une chaise comme ça et travailler 6-7 heures du temps par jour et être en santé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'ils pensent aussi à eux. Ils pensent à eux. Donc, martelons ça, disons aux gens, sortez, n'ayez pas peur. Les commissariats, là, on va les prendre. On va les prendre. Déjà, la gendarmerie, on va les prendre. Ça, c'est le message que j'avais à dire en plus de ce que les autres ont dit. Alors, merci encore pour l'appel. Merci encore pour cet appel-là. Et c'est vrai parce que je suis totalement d'accord avec toi. Si les Camerounais sortent massivement, les gendarmes, les policiers, les militaires, ils sont des êtres humains qui ont des pères, des mères, et leurs pères, leurs mères sont encore dans les rangs avec vous. Donc, à moins qu'ils soient génocidaires et qu'ils vont tuer leur propre famille, ils vont tirer sans regarder ce qu'ils tirent. S'ils se rassurent que les enfants sont dehors. Si leurs enfants sont dehors, leurs femmes sont dehors, leurs tantes sont dehors, ils ne pourront pas tirer sur des personnes à l'aveuglette. Donc, je crois que je suis totalement d'accord avec le point de M. Henry. Alors, on va finir avec Mme Caroline Pégan. Si tu nous écoutes, le micro t'est donné et tu as le mot de fin. On va prendre un tout dernier appel après toi. J'ai dit, je ne prends pas d'appel. Je ne sais pas pourquoi les gens essaient de vouloir nuire. Donc, on... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, les braves combattants. Oui, braves combattants qui nuit totalement à notre direct parce qu'on a dit qu'on laisse parler la présidente Caroline Pégan. Tu as insisté pour qu'on te prenne. Alors, je te donne la parole alors maintenant. Moi, j'appelle depuis l'Italie. Oui, merci. Et vraiment, je dois initier à vous encourager d'abord pour le combat que vous menez vraiment pour la jeunesse camerounaise. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose, qu'il est vraiment temps, comme vous êtes en train de dire depuis aujourd'hui, moi je ne suis pas habitué à appeler dans les lives. Et en 2008, on a vécu quand même beaucoup de choses au Cameroun, moi je suis un enfant du Congo. Et j'aimerais dire à tous nos frères qui nous écoutent depuis le Cameroun, qu'en ce moment, c'est l'heure de prendre des choses en main parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, qu'on ne doit plus avoir peur de mourir. Les grands États aujourd'hui ont été construits parce qu'à un certain moment donné, il a fallu qu'on verse du sang. Donc même s'il faut qu'on doit verser du sang, parce que depuis cette semaine, j'appelle même mes gens du Mongo, mes gens de Goum sur place pour les sensibiliser par rapport à ça. On ne doit plus avoir peur, sinon on ne sortirait jamais de cette situation. Merci encore. Voilà, super. Non, ton message est passé. C'est tout ce que je voulais dire. Non, au gré à gré, chacun se tient, comme on a dit, que chacun doit prendre sa position. Parce que j'ai un ici, qui sont passés par l'aventure, pas l'aventure, qui sont des individus, pour lui dire à ses frères, qui travaillent là-bas, du côté de l'armée, de l'esprit, vraiment ça, parce que le mec, lui, là, Oui, on t'écoute, mon frère. Est-ce que tu peux chuter, s'il te plaît, parce qu'on a la fin de l'émission là. On doit chercher les informations. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. C'est pour ça que on doit clore l'émission bientôt. On dépasse le temps déjà là. Oui, alors Madame Caroline Pégan, bonsoir. Désolée encore pour le petit point qu'il y a eu. Non, c'est normal, c'est normal. Les Camerounais ont besoin de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont envie de faire. Tout le monde est motivé. Voilà. Et le coronavirus,
le coronavirus, effectivement, va bloquer. Même si vous avez des envies de partir au Cameroun, les frontières sont fermées. Dans notre seule action, et comme on peut résumer, hein, nous, c'est des activistes, c'est de continuer à marteler aux Camerounais que c'est eux qui ont leur destin dans leurs mains. On disait aujourd'hui, nous attendons le discours de monsieur le professeur, le président élu, monsieur Maurice Kamto. Et je pense que l'objectif, quand on y réfléchit bien, c'est de faire prendre conscience aux Camerounais qu'il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Le 3 avril, on peut dire, il n'y a pas de capitaine dans le bateau Cameroun. On navigue à vue, où va-t-on? À un moment, il faut bien que tout ce peuple-là se dise, mais qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent réclamer d'avoir un capitaine. Ils attendent qu'on leur amène un capitaine, ils attendent qu'on change leur vie. C'est maintenant qu'il faut qu'ils comprennent. L'état des lieux est fait. L'état des lieux est fait. Monsieur Maurice Kamto ne pourra pas lever les Camerounais tout seul. Il faudrait que la société civile, chaque entité, les avocats, les Ben Skinner, les taximan, chaque entité, chaque catégorie socio-professionnelle se rend compte que eh ben, ça ne va pas et que chacun doit se prendre en main. J'ai appris que les taximan vont se lever le 6, lundi. Eh ben, que chacun se lève alors. Chacun doit se lever pour réclamer ne serait-ce que le droit à la santé. Le droit à la santé. C'est une première chose à demander à tout le monde. On est dans un état qui, les Camerounais préfèrent mourir de faim, de corona, que de se lever pour leur liberté. Parce qu'il faut savoir que le corona, je mets une parenthèse, que beaucoup de chefs d'État africains ont déjà vendu notre âme en acceptant qu'on nous vaccine. C'est une parenthèse, c'est une information à vérifier. Donc, imaginons que là, dans un mois, le problème du corona sera fini et on va se retrouver avec un capitaine dont personne ne sait d'où il sort. Nous demandons aux Camerounais de prendre leur destin en main. Monsieur Maurice Kamto, le président élu, fera ce qu'il aura à faire. Il a le timing, il a le temps. Lui, il fait de la politique. Et les Camerounais, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas vous laisser mourir. Mais ce qui est certain, nous à la diaspora, et nous sommes nombreux dans le monde entier, rayons l'information. Nous devons continuer à motiver nos familles, un par un. C'est-à-dire un par un, du bouche à oreille, pour leur dire que vous ne pouvez pas vous laisser mourir. Vous ne pouvez pas vous laisser encore mourir. Le seul moyen, c'est de se bouger. C'est vrai, par petit paquet de 4, 5, 6, 7, 8 personnes, mais trouvez une solution. Réfléchissez. Réfléchissez, c'est maintenant. Oui. Comme disent les Américains, it's time. Vraiment, j'encourage encore les combattants à nous continuer notre travail. Nous sommes confinés, okay. Mais nous sommes motivés. Continuons à marteler aux 237, il faut se lever. Continuons à voir comment on peut les aider à distance, parce que c'est tout ce que nous avons, c'est la distance. Mais nous avons la communication pour nous. Super, super, merci. Nous avons la communication. Mm-hmm. Ça a bloqué à mon avis. Juste pour finir, je souhaiterais vous informer que j'ai perdu parmi les médecins qui est décédé, il y avait un de mes beaux-oncles, le docteur Chouamo, qui était docteur en ORL, qui est parti ce matin. Donc vous voyez, le corona frappe vraiment. Même ceux qui veulent vous aider partent. Merci. Mes condoléances particulièrement les plus attristées hein, par rapport à ce qui vient, par rapport à ce qui s'est produit. Vous voyez qu'au Cameroun, même les médecins commencent à tomber. Et que va-t-il se passer quand les médecins qui sont les plus exposés hein, en réalité vont tomber? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quelles conditions on va se trouver aujourd'hui au Cameroun? Donc je crois que c'était un peu l'objectif de cet entretien, de vous dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Pidjal, comme l'ont dit la plupart des personnes qui étaient dans ce direct, le Cameroun est aujourd'hui face à son destin et il est le seul à être le vrai acteur du changement au Cameroun. Donc, merci encore pour l'intervention que chacune de vous a pris la peine d'envoyer par message, par appel téléphonique. Nous nous retrouverons donc dans les jours à venir, certainement pour une autre thématique. En attendant, nous allons aller dans les réseaux sociaux chercher, l'information pour confirmer réellement s'il y a du nouveau concernant la sortie du procès de Maurice Kamto qui était présumé être aujourd'hui. Et on va aussi voir comment est-ce qu'on pourra donner une suite à notre combat que nous avons engagé depuis
novembre 2018. Donc, merci encore pour tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui sont du côté du panel. Désolé pour tous ceux qui ont appelé et qui n'ont pas pu intervenir parce qu'on est limité par le temps. Une émission a un temps défini. Donc, les prochaines émissions, vous aurez le temps de rapporter ce que vous avez. Si vous avez des informations à faire parvenir à la Révolution, aux révolutionnaires, passez par la page du BFR. Sur Facebook, sur Google, il y a les informations nécessaires sur la page de Facebook. Merci encore à tous et à toutes. Je vous laisse avec cet extrait de vidéo que vous avez suivi tout à l'heure. Merci d'avance et rendez-vous prochainement sur les pages du BFR. Les bonsoir à tous. Tu es un gars critique. Donc, tu as convoqué une conférence de presse et invité les journalistes pour leur dire que c'est la chauve-souris qui a filé Corona aux gens. Yeah, mec. Tu t'assois, tu lis le discours. Même lis d'abord, tu dépasses. Tu racontes les conneries aux gens. Tu dis qu'il y a plus de 500 000 chauves-souris. Tu as gondé comment? Même la population du Cameroun, tu ne maîtrises pas bien. Dis les gens que tu peux parler, viennent, tu écris leur nom. Mais tu as compté des chevaux-souris, tout ce qu'a dit qu'ils sont 500 000, que c'est le vecteur principal, qu'ils sont frugivores, ils mangent le fruit. Yeah, mais que la relation avec les fruits et l'homme, c'est quoi? Et qu'ils viennent déposer dans ta cour, mon frère. Tu causes avec les chauves-souris, tu chopes la chauve-souris. On sait qui file les maladies, mais ta relation avec Corona, c'est quoi? Qui t'a même nommé ministre? Est-ce que tu es normal? Yeah, Morgan. Donc toi et tes chercheurs, vous avez réfléchi en quelques jours, conclu que c'est la chauve-souris qui a filé ça aux gens. Donc la chauve-souris a pris le vol.